ma populace préférée. Petit vlog dans ma journée d'étudiante. Je suis trop contente de vous retrouver. J'aime trop, je vous jure. J'aime trop maintenant ces petits vlogs. Il y a un peu trop de bruit. Attendez. Je prends trop de plaisir. Regardez, j'ai ressorti ma super tasse que j'ai faite moi-même. Par contre, je suis deg. J'ai oublié de me racheter un pot de spéculoos. Donc faire des tartines où il n'y a presque pas de couche. J'essaie maintenant de prendre le temps de lire un peu le matin. Et j'ai fini un livre hier. Du coup, je vais pouvoir enfin commencer ce livre-là. C'est Intermezzo de Sally Rooney. Elle a écrit Normal People, un de mes livres préférés qui a été adapté en série aussi. Je me suis donné le défi de le lire en version originale. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, c'est un peu dans la même veine, je crois, que Normal People, mais en gros, l'intrigue, c'est deux frères qui ont coupé les ponts et qui se retrouvent à l'enterrement de leur père. Le livre est magnifique. Mais tous les livres de Sally Rooney, j'ai l'impression qu'ils sont trop beaux. Je vais vous montrer Normal People. Genre voilà, Normal People aussi, beaucoup trop beau. Aujourd'hui, je vais vous proposer une tenue full fripe. Donc, que des vêtements que j'achète en fripe. Ce fut, et quoi, mon dernier vlog que j'ai trouvé chez Emmaüs. Ce pull, petite marinière très sympa, que j'ai trouvé en brocante, qui vient de chez Tommy. Donc, aujourd'hui, c'est look de fausse riche. Vrai look de bobo, j'adore. J'ai complètement oublié de vous dire, j'ai rendez-vous à 10h pour me faire couper les cheveux. Je vous laisse essayer de deviner qu'est-ce que je vais faire. Plus court, une teinture. Bah sympa, sympa comme tout. T'en pensais quoi? Sympa ou pas la nouvelle coupe? Ah non mais bonheur! Nouvelle DA, j'adore. Je valide complètement. Je suis rentrée entre temps. J'ai mangé, j'ai un peu travaillé, j'ai fait mes affaires. On va partir d'ici une quinzaine de minutes. Mais avant, je vais m'occuper d'Odette, alias la seule plante qui pour l'instant est encore en vie. Mais elle grandit bien, hein. Ça fait 2 ans. Je l'ai maintenant bientôt. Ça, c'est une espèce qui s'appelle le Pilea. Ce qui est hyper bien, c'est que c'est des plantes qui, si elles ont besoin de toi, elles vont te le dire. Genre, toutes les tiges commencent à tomber et tout. Et du coup, bah, c'est un peu des drama queens. Donc, c'est hyper pratique pour genre s'en occuper. Elles ont très peu besoin d'entretien. Moi, j'ai profité parce que ça fait longtemps de dépoussiérer leurs petites feuilles. Prendre soin de plantes, c'est hyper thérapeutique. Mais comme moi, j'ai pas la main verte. J'ai la main assassine, verte à la limite. Toutes mes plantes meurent avec moi. Même mon terrarium que j'ai fait cet été, il y a une plante qui a envie dedans. C'est Billy. Toutes les autres sont mortes. La question, c'est pourquoi? Si vous connaissez aussi des plantes qui sont un peu comme Odette, des vaillantes qui ne crèvent pas à la première situation, je suis très preneuse. Alors, je vous explique où on va aller, parce que je sais pas encore si je vais avoir vraiment la possibilité de discuter. On va à Bokofi, c'est un café que j'avais déjà vu pour les matchas, qui est très très bien noté, il y a des très très bons avis dessus. Et j'ai vu qu'en principe, pendant cette période automnale, ils font des pumpkin spice latte. Et moi, j'adore ça. Mais pour l'instant, le seul endroit où je n'ai vraiment trouvé où ils en faisaient, c'est aux petites artisanes, même si j'ai jamais encore goûté, et Starbucks. Et j'ai pas trop envie de consommer Starbucks, si possible. Et c'est toujours mieux de consommer local. Et puis, bah, je vais un peu taffer et tout en même temps. On verra bien. Ce soir, j'étais censée avoir cours de tango. Ça fait déjà 2 semaines que je loupe. Visite à louper une 3e semaine. J'ai pas du tout la tête là, à aller dehors et tout soir, j'ai pas du tout envie. Le côté où je me sens moins coupable, c'est que ces cours là, c'est moi qui les ai payés. Donc entre guillemets, bah je me tire une balle dans le pied à moi-même quoi. J'ai payé ces cours trop en avance, au final je crois que ça me plaît pas trop. La danse en soi me plaît énormément, j'adore ça. Mais la manière dont les cours sont menés, c'est pas du tout ce qui me stimule donc. Mais il faut faire des erreurs pour apprendre des leçons.
Alors, qu'est-ce que j'en ai pour penser de Bocoffee? Je vous mets l'adresse là, au cas où, si j'ai oublié de la mettre dans le montage. Bah, en vrai, c'est sympa. Le pumpkin spice latte était pas hyper fort. Bah, c'est pas là-bas que j'irai reprendre ça. Après, le matcha, il avait l'air hyper intéressant. Genre, ils font du matcha avec du fruit et tout. Ça peut être très cool à tester. Mais c'est très petit. Les prix, c'est des prix genevois. Je vous déconseille pour aller travailler. Parce que vraiment, ça bouge beaucoup. Ça parle très fort. C'est pas du tout de la faute des personnes qui sont là-bas, qui sont vraiment très chill et tout. J'ai pas réfléchi. On est en pleine vacances scolaires. Du coup, il y avait constamment des gosses qui te hurlent dessus. J'ai quand même réussi à lire ce que je devais lire pour l'uni. Je sais pas trop quoi faire de ma journée. Je me sens bien dehors. Mais d'un autre côté là en fait c'est comme si j'avais envie de me poser pour lire, mais vu que là je viens de me taper genre 30 pages de théorie de sociologie, j'ai pas envie de lire. Mais genre voyez, peindre et tout, ça pourrait être sympa. Je crois que j'ai envie de passer à Sostren Green. En gros t'as un cahier de coloriage, t'as de l'aquarelle directement dessus, sauf que pour l'instant j'en ai pas trouvé. Du coup j'hésite à faire un tour, vu que de toute manière il est pas trop tard. Comme ça on se fait une vraie balade. Moi ça me fait du bien d'être dehors. Je jure qu'en ce moment je suis tellement dans une vibe où je préfère être largement dehors à me balader sans avoir d'écouteurs. Je crois que je vais essayer de me chauffer à faire ça, même si ça veut dire aller au centre-ville qui va sûrement être bondé. Ça m'a fait du bien de sortir. Je sais toujours pas si je vais aller à mon cours de tango, mais c'est pas grave. Fait bon, regardez. Le ciel il est bleu et ça c'est vraiment cool. Du coup je viens de rentrer, malheureusement il n'avait pas cahier de coloriage aquarelle hyper trendy en ce moment. Je suis épuisée, je sais pas pourquoi, j'aime pas ces journées où tu fais pas grand chose. Enfin j'ai fait quand même plein de choses. Alors, j'abuse. Genre même les épaules et tout, je suis hyper... J'ai anticipé le fait que j'allais être, je pense, complètement KO pour faire mon repas de ce soir, que j'avais aucune envie. Donc je suis allée m'acheter un repas pour réchauffer mon cœur. Tout simplement des petits sushis. J'ai hâte de les manger. Ils ont un peu trop forcé sur la nette. Ce jean, alors franchement génial. Mais là je veux juste l'enlever et mettre mon fut de pyjama. Et je vais être tranquille. J'ai besoin de faire un break. En mode sarcophage, regarder le plafond et attendre que le temps passe là un petit peu. Je suis morte. Je m'excuse les gars. Je vous ai abandonné. J'ai tout rage quitte. Faut se laisser tranquille. Au cas où. Les sushis étaient pas ouf. En même temps, j'ai acheté des sushis, il était 18h, évidemment que c'était pas ouf. J'ai pas encore trouvé la technique de ce qui me fait du bien le soir. Parce que le matin, j'aime prendre le temps d'avoir mon petit moment de lecture. Mais le soir, j'ai pas encore trouvé. Souvent, je suis en mode en train de regarder des vidéos ou des lives. J'arrive pas à me dire si c'est vraiment ça qui me fait plaisir. J'ai cours demain, j'ai pas envie d'y aller. Mais bon, demain est demain, aujourd'hui est aujourd'hui. Chaque chose en son temps. Je crois que vraiment elle me fait trop du bien cette DA d'être plus nature peinture. Genre j'aime bien entrecouper mes vidéos plus blabla et tout avec des vidéos genre juste on se prend pas la tête. Si vous aimez bien aussi que je fasse du contenu comme ça, petit like. Si vous n'avez pas encore rejoint la Populace Family, je vous laisse appuyer sur le bouton abonnez-vous. Je m'endors debout. Ah putain j'ai une frange. Pourquoi j'ai... La lumière est cataclysmique. On va terminer cette vidéo où... On l'a commencé, ce qui veut dire dans mon lit. Désolée s'il y a des collègues qui tombent sur cette vidéo et sur ce passage, bah je suis fatiguée. Vraiment, allez, pour le bien de tout le monde, je vais me taire et je vais me coucher. Bonne nuit, à bientôt, bisous.